Au mois d'août 1990, j'étais à la réunion syndicale à l'hôpital où je travaille. Lorsque deux individus m'appellent et m'embarquent dans une voiture en direction des locaux de la direction de la police politique du dictateur Hissène Habré. Torturé, j'étais dans une cellule souterraine. La vérité sur Hissène Habré est que c'est un dictateur qui n'hésite pas de tuer. Présentement, il est poursuivi par la justice créée par des Africains avec siège à Dakar, au Sénégal. La crainte des victimes que nous sommes est de voir bâcler le procès d'Hissène Habré. Pour nous, victimes, il ne s'agit pas de nous indemniser, mais plutôt juger le tortionnaire. Nous avons besoin que justice soit rendue dans la transparence.